Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je l'attendais depuis un moment parce que c'est la Birchbox du mois d'avril 2020. Je viens tout juste de la recevoir et je n'ai vu que son packaging, donc je n'ai même pas vu l'intérieur de la box. Donc on va la voir et la découvrir ensemble. C'est parti! C'est le packaging de la Birchbox du mois d'avril. Donc franchement c'est un bleu super sympa et comme l'indique sa box, c'est un coup de frais, donc fraîcheur etc. Donc le bleu c'est ce qu'il faut absolument. C'est parti, j'ouvre le couvercle. Hop. Et donc nous avons le petit fascicule, donc vous voyez c'est bien ce que je vous ai dit, c'est eau fraîche. Donc voilà. Et donc sinon j'ai un petit papier comme ceci. C'est apparemment c'est une autre box, donc c'est Splendiste. Donc je sais pas. Une expérience inédite et très exclusive. Donc 10 essentiels beauté en format vente d'une valeur de plus de 200 €, de quoi être paré pour la saison. Donc découvrez vite ce nouveau coffret que vous allez adorer sur Birchbox. Donc j'irai voir et puis voir à quoi ça ressemble. En tout cas ça a l'air super. Alors c'est parti, premier produit. Donc j'ai reçu ceci. Alors c'est une huile. Une huile de roucou. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, donc je vais regarder ça dans le fascicule. Donc dans le fascicule, ils ont noté ce que c'était. Et donc c'est une huile qui vaut 25,90 €. Et donc c'est roucoulé de bonheur grâce au spray soin pour cheveux multifonction. Donc c'est un spray pour cheveux. Voilà, donc à tester. Deuxième produit, un gommage corps, donc un Aqua Hero exfoliant naturel au sel de Guérande, voilà. Donc de toute façon tout ce qui est gommage, généralement j'adore ça, donc c'est un produit qui va me servir. Troisième produit, là, alors je vais vous dire, regardez ce que c'est. Donc c'est un savon Stories, donc un cactus hydration, c'est un sérum visage bio. À l'huile de figue de Barbarie, nourrit et répare intensément. Donc c'est vraiment du 100% bio. Je vais l'ouvrir pour regarder parce que ça m'intrigue. Ok, pour le sortir c'est hyper short. J'ai ouvert les deux côtés pour vous dire. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un petit savon, c'est vraiment sympa. Ça sent méga bon par contre, vraiment. Hein. C'est un sérum visage, ouais. Bah écoutez, moi c'est un truc que je vais utiliser parce que je suis de plus en plus fan des savons en fait, revenir à ce qu'on faisait avant, ce qu'on avait avant surtout. Et donc je suis devenue assez fan de ces petits trucs là. Donc ça c'est un truc que je vais tester obligatoirement, donc je suis contente aussi de ce truc là, vraiment. Ensuite, quatrième produit, j'ai eu un pinceau. Donc un pinceau, vous voyez, hop, avec le sang. Et donc il est comme ça. Donc top du top, ça va servir, les pinceaux ça sert toujours, donc non, ça je suis contente, et en plus en rose donc ça me plaît encore plus. Cinquième et dernier produit, je pense que ça va être le coup de cœur de la box, elle est à l'envers donc je vois pas encore les couleurs mais je pense que c'est pas mal. Et oui je suis contente, voilà le cinquième produit. Je vais l'ouvrir pour vous montrer les couleurs, mais canon. Voilà les couleurs. Elles sont vraiment trop belles, mais vraiment c'est des couleurs que je vais mettre en fait, donc c'est super, je suis trop contente, donc ça c'est le coup de cœur de la box, vraiment. Je suis contente parce que ce mois-ci, contrairement au mois précédent et au mois précédent, la box me plaît pratiquement sur tout. Donc vraiment là c'est un coup de cœur. De toute façon je me désabonne pratiquement jamais de Birchbox parce qu'en fait c'est 13,90 € donc c'est pas énorme. Et vous avez toujours des box qui sont canons quoi. Après vous avez toujours des box au bout d'un moment qui vous plaisent pas, mais ça peut arriver à tout le monde, tout peut pas nous plaire en fait. Mais là clairement c'est the top. Voici, donc c'est plutôt un beau contenu. Donc voilà pour la box du mois d'avril, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la box vous a plu. Et puis si ça peut vous inciter peut-être à franchir le pas et à vous abonner à Birchbox, écoutez, foncez-y parce que c'est une box franchement abordable et vous pouvez avoir de sacrés coups de cœur, mais ne l'oubliez pas, dans une box qui est important de retenir, c'est que tout ne peut pas à chaque fois vous plaire. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.